made between 8% and 9% operating margin in China with a good growth. So it's not a company which is in decline, or it's not a company which is facing a difficult situation. It's a company searching for a future. And it's a company, and through the joint venture that we're creating, the future name is Nissan. And we feel very strongly that we will be able to bring to this company what it needs to have a great future. But as you know, you're going to have to wait the month of November until Nakamura-san and his team announce what's going to be the plan for the following 3 years. And this plan is not going to be something vague, qualitative, plenty of dreams and wishes. It's going to be an action plan with commitments, with numbers. It's going to be time. You're going to see the same pattern that you have seen in the Nissan Revival Plan and in Nissan Money. Pourquoi ça a foiré? Les priorités n'étaient pas adressées. Je dirais, les Américains utilisent une terminologie en management que je trouve très, très intéressante, qui est très simple. C'est ce qu'ils appellent le blind spot. C'est les points noirs. Chacun de nous a des blind spots. Hein. Et il semblait que ceux qui avaient rédigé le plan avaient des blind spots sur les priorités de l'entreprise. Finalement, ils n'avaient pas vu. Tout ce qui était donc de l'ordre des coûts a été extrêmement mal géré. C'est-à-dire qu'il y avait des économies qui étaient faites sur des investissements, par exemple, ce qui normalement ne faut jamais faire. On a remis ces notions élémentaires de profitabilité au centre de la prise de décision. Il y a encore beaucoup de patrons d'entreprise qui considèrent un peu le profit comme un devoir, beaucoup plus qu'un moteur. Je dirais, le profit, ce n'est pas un devoir. Quand vous considérez le profit comme un devoir, il faut faire autre chose. Ce n'est pas nous qui déterminons le niveau absolu, c'est un niveau d'exigence. Alors effectivement, les actionnaires en ont. Et donc la rentabilité qu'on dégage mène à une valorisation, mais par les actionnaires. Ce n'est pas nous qui faisons la valorisation ou qui décidons qui, par rapport à un autre constructeur, que l'arbitrage est à faire dans ce sens-là. Franchement, Nissan n'est pas une exception. Hein. Je peux aujourd'hui vous citer des tas d'entreprises en France qui ne sont pas motivées par le profit. Hein. Je dirais que les gens font du profit parce que sinon ils vont se faire engueuler par des actionnaires ou ils vont attirer les foudres de tel ou tel média. Mais sur le fond, ils ne sont pas convaincus de la nécessité de création de la valeur. Ils sont souvent plus attachés à des notions de pouvoir ou des notions de permanence, de durée, que des notions de profitabilité. C'est souvent la raison pour laquelle les résultats sont très médiocres. Donc on a mis très clairement, c'est une des premières décisions qui a été prise, de développer tous nos véhicules avec des objectifs de profitabilité et qui servent de seuil. C'est un seuil de franchissement. Et en dessous d'un certain seuil, si on n'arrive pas à développer nos véhicules à l'intérieur de cette limite, eh bien, la voiture n'est pas développée. Il y a encore des cultures qui franchement, la culture française n'est pas très loin de celle-là, hein, où on considère que quelqu'un étant intelligent, étant très diplômé, donc il doit être bon. Dans la réalité de l'industrie, c'est faux. La seule façon de pouvoir dégager des ressources pour faire ces investissements, c'est de vendre tous les actifs qui sont considérés comme étant nos cœurs de métier, et bien sûr de faire des réductions des coûts de façon à générer une profitabilité, générer des ressources qui seront automatiquement investies pour préparer l'avenir. C'était ça, NRP. On avait des taux d'utilisation de nos usines de 50% au Japon, ce qui est ridicule pour un constructeur automobile, donc il a fallu fermer 5 sites industriels.
Nous avions des actifs dans une industrie d'armement, nous avions des actifs dans de la téléphonie, nous avions même un supermarché, nous avions de l'immobilier à ne plus savoir quoi en faire. On a évidemment aussi réduit les coûts sur tous les frais administratifs, les coûts industriels, la logistique, les frais commerciaux, tout a été passé au crible, mais toujours dans l'objectif de dire finalement ces ressources, elles vont aller pour l'avenir, sur la technologie, sur la marque, sur la rénovation de la gamme de produits. Et à côté de tous ces actifs qui étaient là, vous étiez incapable d'investir sur vos produits. Donc on a dit on va vendre tous ces actifs, on va générer des ressources et on va réinvestir sur notre cœur de métier. Donc ça fait partie des choses que le nouveau management a pu faire, je dirais, facilement pour faire tomber la dette. Effectivement, il y avait beaucoup de changements, puisque on a démantelé le Keiretsu de Nissan. On l'a démantelé non pas parce qu'on avait quelque chose contre ce Keiretsu, mais il était inefficace. On a rencontré des centaines et des centaines de personnes. Quelquefois, on était tous les deux. Quelquefois, on était séparés. Et on a écouté ce qu'ils nous disaient. Et très vite, on s'est aperçu que sur les coûts, il y avait énormément de potentiel et qu'il fallait simplement aller le chercher de façon résolue et pas se tromper, c'est-à-dire pas demander 5% si on peut en avoir 20. Un Keiretsu peut être très puissant s'il est managé de main ferme. Et de main ferme, ça veut dire que les relations sont des relations de challenging mutuel. Ce qui remontait tout de suite, c'était nos voitures ne sont pas attractives, notre marque Nissan, c'est plutôt un repoussoir qu'un atout. Dans le cadre de Nissan, nous avions plus de clients qui achetaient parce que rationnellement, c'était un bon achat. C'était des voitures fiables, à des prix abordables, livrées dans de bonnes conditions, que parce qu'ils avaient un coup de cœur pour la voiture, quoi. Donc, tout le côté émotionnel de l'achat avait été complètement négligé. Et tout le côté rationnel, par contre, avait été particulièrement optimisé, y compris en tenant compte des contraintes de manufacturing, mais au détriment de la créativité. NRP, c'était quoi ? C'est un plan qui est relativement simple. Nous avions dit que l'entreprise avait besoin d'investir pour se recréer un avenir. Il n'y en avait pas en 1999. Et il fallait réinvestir dans notre marque, il fallait réinvestir dans notre technologie, il fallait réinvestir dans nos produits, il fallait réinvestir pour saisir les opportunités de marché. La date de départ, c'était le 1er avril 2000, début de Nissan Revival Plan, et la date d'arrivée, c'était 3 ans plus tard. Il fallait faire 20% de cost reduction. Nous avons dit, nous allons faire cela. Il y a 3 engagements que nous prenons. 1, le retour de Nissan à la profitabilité dès la première année du plan. 2, que cette profitabilité devait continuer à croître pour atteindre un niveau minimal de 4,5% à la fin du plan. Et 3, que malgré les investissements qu'on allait faire, la dette serait divisée par 2 durant la période du plan. Et si n'importe lequel de ces 3 objectifs n'était pas atteint, moi je me suis engagé à démissionner avec moi tous les membres du comité exécutif. C'est pas un objectif ça, c'est un engagement. C'est un engagement que j'ai pas pris dans un salon en discutant, c'est un engagement que j'ai pris devant les médias, devant l'ensemble du personnel de Nissan. Donc les gens savaient qu'il n'y avait pas de retour, quoi. La réduction des coûts d'un point de vue technique, c'est repenser une conception pour que ça coûte moins cher. L'amélioration de la qualité d'un point de vue de conception, c'est repenser la conception pour éliminer des défauts qu'on a connus après la mise sur le marché par le feedback client. そのモジュールの中のそのインターナルなインテグレーション、その部品の数を減らすという活動をですね、もっともっとやらないと競争力のあるモジュールにならないんではないかと思っています。部品が少ないほど品質はよくできるわけですね。一つは逆にその部品がたくさんあるということはそれだけ組み付ける工程がたくさんあったり人がそこに入って組み付けなきゃいけないのでコストが上がります。La question centrale, c'est pas une opposition théorique entre qualité et coût, c'est d'être capable de faire converger
sur la conception d'une pièce nouvelle, d'un organe nouveau, que ce soit chez le fournisseur ou à l'intérieur de l'entreprise, le meilleur de vos informations sur le coût des process et sur le feedback qualité des marchés, et le meilleur de votre savoir-faire pour que tout ça mis ensemble, vous ayez une conception optimisée. Donc ça, c'est, pour moi, c'est quelque chose qui est très clair. La grande difficulté du management, c'est d'arriver à faire ça bien et à faire les deux en même temps. Et c'est clair que Nissan avait un passé sur le process qualité et peu de passé sur la réduction des coûts. Donc on a mis l'accent massivement sur la réduction des coûts, mais toujours en disant qu'il ne fallait pas que ça se fasse au détriment de la qualité. コストを下げて品質を悪くするというような技術開発のテーマを作るときに、今申し上げたコストを下げて品質を悪くするようなテーマというのは、むしろやらなくてですね、両方をどうやって下げるかということをやるために、そこに技術がむしろ必要だという考え方で我々やった。 だから製造部門と協力をして、製造の付加価価値分っていうんですかね、内製の付加価値分は製造部門がコミットしてるんで、それに対して私どもは製造しやすいような、デザイン設計をするという形で協力をしています。ですからモジュール化も製造部門とってみると、アセンブリーの 時間を非常に減らせる要素があるわけですね。ですから製造部門は非常にモジュール化を歓迎しています。ですからどんどんモジュール化を進めることによって製造部門にの、その生産性の向上に寄与しているという状態です。サプライヤーに過度に依存すると、要するにサプライヤーにコントロールされる状態になってしまうんで、それはやっぱり避けたいということだと思います。モジュール化は進めるんですけれども、結局お客様の、にとって、 お客様の欲しいものを提供するということと、モジュールっていうのは必ずしも一致しないので、そこの技術開発はうまく進めないとですね、これはそのアイデンティティの問題をむしろ無視してしまうことになりますので、そこが非常に大事なところだと思ってます。日産とルノーが同じプラットフォームを全て同じにしてしまえば、出てくる車は同じになってしまう。ところが、 我々研究所にいる人間は技術開発として常にその同じものをモジュールにしたりプラットフォームにしたりということと、お客様の価値にどうやってつなげるかというそのトレードオフ問題みたいなところを、やっぱ我々は技術で解決していくんだというつもりで技術開発をしております。 社だけの問題じゃなくて、社員みんなが参画するっていうプログラムですから、その180に対してそれぞれ誰が何をコミットできるかってなると、それは一番大事な話でございまして、例えばその100万の100万台ですね、100万台っていうのは我々生産としてやんなきゃいけないことは、もちろん品質のいい車を早くお客様に届けするっていうのはやっぱり一番の大事な話です。 Le million de voitures supplémentaires est synonyme de création de plus de valeur pour Nissan. Et ça ne peut pas être profit ou croissance. C'est profit et croissance. それから8%の営業利益率はですね、私どもの生産部門では、代替原価をいかに毎年合理化していくかという目標がございまして、これが8%の達成に大きく寄与するということで、 これは一人一人が原価の目標を持っております。それからゼロの目標は、これは今年達成したわけですけども、やっぱり工場には在庫があります。部品にしても、それから不使用部品とかですね、いう在庫をいかに少なくするかということが一つと、それからいかに設備を安く、設計をしてですね、工場の中で使うかっていう、その二つが、そのゼロを達成する我々の大きな目標になっています。
で、あの180でですね、職場の人一人一人がそれを達成するための自分のコミットメントっていうのが、その休憩所に、まあ、今日ご覧いただけなかったでしょうか、貼ってあります。Ce qui marchait pas bien, c'était comment est-ce que les clients évoluent, de quoi ils rêvent, de quoi ils ont besoin, et comment on peut satisfaire ces besoins. Le marché, c'est la rencontre entre une offre et une demande, et la rationalité, elle n'est pas ni du côté de l'offre, ni du côté de la demande, elle est dans cette rencontre entre les deux. Si on ne maîtrise pas du tout la compréhension de la demande, des besoins des clients, on ne comprend rien à un marché. Et c'est ce qui arrivait à Nissan. Beaucoup de gens pensaient que les designers de Nissan étaient mauvais. Donc je savais qu'il y avait un talent quelque part et que le résultat n'était pas bon pour d'autres raisons. Et la première raison, c'était la prise de décision au sein du design était catastrophique. On a dit non, ça c'est terminé. On rassemble tout le monde avant. Toutes les fonctions qui peuvent avoir des avis contradictoires sont présentes, et le decision maker, il ne fait pas un compromis boiteux, il prend une décision. Et une fois que cette décision est prise, c'est celle-là qui va être appliquée. Une marque, ça commence par quoi? Une marque, ça commence d'abord par une image de ce que vous souhaitez être à terme. Ce qui fait la puissance d'une marque, brand power, on dit, c'est trois choses. La familiarité, ça c'est quelque chose que c'est lié à votre histoire et tout, c'est, il vaut mieux garder et s'arranger de ne pas l'abîmer. Ensuite, le trust, le fait que les gens ont confiance dans la marque. Et ensuite, ce qui vous différencie. For us is that our brand is built on our heritage and also what we want to be in the future. C'est une sorte d'idéal que vous souhaitez pour votre entreprise, pour vos produits, et que vous partagez à l'intérieur de l'entreprise. La première chose, c'était d'arriver à donner du goût et une identité à Nissan et à faire comprendre. On a discuté ça très largement dans l'entreprise, ça a été décidé au plus haut niveau et ça a été déployé à partir de début 2000 dans l'ensemble de l'entreprise et en particulier chez les designers et les product planners. Particularly, we have globally over 700 people working for Nissan Design. 700. And we have 6 studios globally. So we have maybe 15 nationalities. So if you don't share our information with those people, it's impossible to consistent Nissan Design. Donc c'est un travail de fourmi qui prend plusieurs années, qui demande beaucoup de ténacité, beaucoup de constance, mais qui est extrêmement puissant. Puisque finalement, ce qu'il y a d'ailleurs, c'est des enjeux économiques colossaux. Vous arrivez finalement, quand vous avez une marque très forte, à vendre vos produits beaucoup plus cher que des produits comparables qui ont des marques plus moyennes. À la fois, on a mis dans l'entreprise des standards et quelquefois des best practices d'entreprises occidentales, et à la fois, ça reste une entreprise fondamentalement japonaise, l'âme est japonaise, la culture est japonaise, et ces deux choses-là, mélangées, créent du nouveau. You know the Japanese sword? Very nice lines and very sharp. We get inspiration from like Japanese fold lines. So very kind of mixing of sharpness and softness. L'achat d'une automobile, c'est un achat d'une valeur importante. Il a une composante émotionnelle. Les images de marque les plus fortes sont des images de marque qui sont cohérentes et surtout des images de marque dans lesquelles la perception du client est basée sur une promesse. Manager au travers des cultures, c'est quelque chose qui n'est plus un luxe, c'est une nécessité pour les entreprises du 21e siècle, ça va être une nécessité. Or, très peu de gens sont préparés à le faire aujourd'hui. On est toujours conditionné par « je suis français, je suis japonais, je suis américain, je sors de telle école, etc. » Et
À partir du moment où vous vous définissez comme ça et uniquement comme ça, ben vous allez avoir des problèmes. Parce que les centaines de milliers de personnes qui travaillent dans votre entreprise ne se reconnaissent pas dans ça. Ils ne sortent pas tous du même pays que vous, ni de la même université, ils n'ont pas la même formation que vous, et pourtant ils ont envie de jouer un rôle dans l'entreprise. At the same time, Japan is a very multicultural. We imported a lot of culture from China, Europe, and US. La façon de concevoir des autos et de les fabriquer, c'est une culture très très intime dans une entreprise. Donc, arriver, je dirais, faire converger les deux, mais c'est quelque chose de très très long et de très très difficile. I think we don't want to influence each other. We don't want to get influence from Renault. They don't want to get influence from Nissan. Il y a aussi un souci de préserver sa propre identité. C'est-à-dire, vous allez d'autant plus vers la globalisation que vous vous sentez affirmé dans votre identité. Donc il y a ce qui apparaît un peu contradictoire, le souci d'identité et la direction de la globalisation, ben c'est en fait complémentaire, ça va ensemble. Les gens qui sont souvent contre la globalisation, ce sont des gens qui se sentent menacés dans leur identité. Les gens qui sont solides dans leur identité, qui sentent que finalement ça va leur apporter quelque chose, ils sont tous pour, hein. Donc, et au niveau de l'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Il faut manager l'entreprise avec un management global, mais dans ce management global, il faut respecter des identités. Nous avons plutôt pour position de dire qu'il faut fabriquer les véhicules là où ils se vendent. Qu'est-ce que ça veut dire global? Ça veut dire que finalement, on prend les meilleures pratiques mondiales. Quand quelqu'un fait quelque chose qui marche bien, on fait la même chose. Ce qui est bon au Japon, on le garde et on le développe. Ce qui est bon aux États-Unis, on l'adapte. Ce qui est bon en Europe ou autre part aussi, on l'adapte. Je dirais que les modèles n'ont jamais marché pour une raison très simple. Vous savez, les modèles en matière de management, c'est comme les modèles mathématiques ou les modèles en physique. Vous en avez besoin pour essayer de comprendre. Mais c'est un outil. Mais si vous en faites un objectif, vous êtes perdu. Donc ce qu'il faut, c'est identifier le problème, s'il y en a le plus en amont possible, et par la discussion, par je dirais la concertation, convaincre les gens qu'il faut séparer les problèmes, étudier de manière claire, et qu'ensuite la préoccupation qu'ils ont ne sera pas oubliée, mais elle viendra après. そうするとどういうアプローチをするかという一つは社会がどういうふうに変化していくんだろうか。On fait pas du court terme, on fait du long terme. Mais c'est un long terme qui est responsable. C'est un long terme qui n'hésite pas à traiter les problèmes quand il les voit et non pas à faire une danse du ventre autour de ces problèmes, non pas essayer de les théoriser pour ne pas les résoudre. Quand je sens qu'il y a un dossier dans lequel il risque d'y avoir des biais, j'essaie de les identifier le plus vite possible. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de démonter le système avant qu'il soit en place. Et ça veut dire connaître les gens. Au début, alors forcément, quand on arrive à la première année dans un pays qu'on connaît pas, dans un pays qu'on connaît pas, c'est très difficile. À force, je dirais, on a un réseau, on connaît des gens, on discute avec eux. Ensuite, il y a aller voir les gens, discuter. Et moi, ce que je revendique, ce que je dis toujours, c'est que les raisons politiques, c'est pas forcément de mauvaises raisons. Il y a souvent de très bonnes raisons. Mais ce qu'il faut, c'est quand on présente un dossier, il faut le présenter. Là, on revient à la transparence. Ce que je dis, on prend les raisons politiques et on les met de côté. On enlève tout. Et on fait des scénarios qui sont purement objectifs. Et quand on a une vision, je dirais, de la comparaison des différents scénarios de manière complètement objective, on prend les raisons politiques et on les met dessus. Et on montre, après on dit oui, mais il se passe ci, oui, mais il se passe ça. Parce que la gestion des problèmes politiques, c'est purement du management de direction générale. Donc ce qu'il faut, nous, notre travail, c'est de présenter les choses telles qu'elles sont, de présenter les éléments. À partir du moment où la direction générale de l'entreprise est capable de donner des objectifs qui sont cohérents, clairs, à chacun, à chacune des fonctions, chacune des régions, et que ce processus descend relativement bien dans l'entreprise, l'efficacité de Nissan, le gap d'efficacité est absolument considérable. Vous imaginez qu'une fermeture de site, ça soulève avant tout un tas de protestations, d'accords, de désaccords, parce que les gens, on touche à l'affectif, je dirais presque. Et c'est pas presque, on touche à l'affectif, on touche à beaucoup de choses. Il y a des tas d'entreprises qui donnent des ordres ou des directions totalement contradictoires.
et qui laissent leurs équipes de terrain gérer les contradictions qui auraient dû être traitées au niveau de la direction générale ou du top management. C'est une entreprise qui, comme tous les constructeurs automobiles, vous savez, ce sont des grands territoires. Il y a beaucoup de baronnies dans les, chez les constructeurs automobiles. Certaines sont évidentes, d'autres moins. Mais c'est une industrie qui fonctionne souvent par cheminée. Alors, dans le cas de Nissan, c'était particulièrement flagrant. C'est une entreprise qui n'a jamais fonctionné en transversal. Or, constructeur automobile qui ne fonctionne pas en transversal, il est voué au déclin, si ce n'est à la disparition. で、このリバイバルプランまあ、ゴンさんが来て行こうということですけど、の、マネジメントを明らかにこのリソースをうまく活用できるようになった。で、それがじゃあそのN1ATとか日産リバイバルプランリバイバルプランにどう貢献したかというと、そこがポイントなんですね。つまり持ってるリソースはちょっとも変わってないわけですけど、なぜあんなアグレッシブな提案が出てきたのかっていうことなんですね。アグレッシブな提案っていうのはクロスファンクショナルティームとか、 La seule chose qui alimente une entreprise, c'est la motivation des gens qui la composent. Or, les gens sont très sensibles à ce que vous travaillez sur, que vous investissiez dans les conditions de travail. Ils y sont très sensibles. C'est cet engagement-là, il doit être béton. しかしながら私たちはそれを逆にオポチュニティって見たんですね。チャンスだと。なぜかというと、二つの効果がここから得られます。一つは透明性が確保できる。トランスペアレンシーが確保できる。つまり、今までにさんの一番悪かったそのチームにいな、もうそれぞれが単独にバラバラにいろんな勝手なことをやってると、それがあちこちでこの交点が生まれますよね。ということは、一人が単独で全てのことを決められることは一つもなくて、あちこちでこう交差すると、お互いがお互いに要求を突きつけて、 Avant ce qu'on appelle le contrat, on va beaucoup discuter sur ce qu'on est capable de faire en termes de performance, en termes de coûts, d'investissement et en termes de délai de développement. Ça va être fait, ça, par la ligne hiérarchique, et ça va être fait avec une discussion qui implique beaucoup, beaucoup de monde dans la phase de planning. Une phase extrêmement importante au Japon dans tout projet. Ces gens-là vont discuter de ce qu'ils prennent comme commitment.人がですね、コミットするっていうことをやってます。ですから、180っていう会社の目標があって、私のボスの高橋っていう副社長の180の目標なんです。で、それを工場に落として、私の180っていう目標があって、それを各部長が分担をします。で、その部長の目標を、課長がディプロイドしまして、校長以上ですね、校長、まあ大体15人ぐらいのメンバーの まあリーダーですけども、C&J、挑戦と実践っていう言い方ですけども、そういう名前の、まあ、フォーマットがありまして、そこにそれぞれの目標値が書かれています。例えば、塗装の品質目標、まあ100台あたりの欠点数、例えば5件っていう目標があります。それを達成するっていうのが彼の目標なんです。それはもう毎月毎月、 Le commitment, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est qu'il a été discuté. Un commitment, ça ne tombe pas du sommet sur la tête des gens qui doivent s'exécuter, quoi qu'ils en pensent. Un commitment, c'est quelque chose qui a été discuté, qui a été de façon contradictoire évalué et sur lequel les opérationnels à la fin disent « oui, je prends ». Et quand ils ont dit « oui, je prends », ils vont vraiment se décarcasser pour y arriver.
Et donc, c'est pour ça que les gens ont une tendance, c'est quand je dis, à prendre tous les ans, à ne pas dire non, parce qu'ils ont une la variable, je dirais. Ils n'ont plus de contraintes temporelles, enfin, disons non, mais elle a beaucoup moins d'importance que, je dirais que, bon, en France, la société occidentale, où les gens, disons, le fait de vouloir rentrer chez soi à une heure raisonnable, de manière régulière, a une importance plus forte qu'ici. Donc, et puis, plus le fait qu'on ne dit pas non, mais on ne dit pas non à son chef. Ça, c'est quelque chose qui arrive ici, ça existe, mais c'est quand même pas très répandu. Alors, c'est très confortable pour son chef, parce que vous pouvez demander tout ce que vous voulez, vous l'avez. On gaspille du travail chez Nissan, c'est clair. Cependant, quand le problème devient suffisamment gros, ils vont aller voir leur hiérarchie et ils vont dire « non, j'y arrive pas ». Et la hiérarchie va aller chercher des ressources à droite à gauche pour renforcer l'équipe parce qu'elle est, elle aussi, engagée par le commitment de son personnel. Et ça, c'est très puissant. Et encore une fois, une entreprise automobile, on ne fait jamais des choses extrêmement compliquées. Les choses sont complexes parce qu'elles sont en grand nombre. La complexité vient de là dans l'industrie automobile. Donc, dans une action où vous avez 500 actions différentes qui doivent converger en un point donné, à un moment donné, un jour donné, pour que tout se passe bien dans l'ordre, il est clair que si vous acceptez que sur les 500, il y en ait 10% qui sont en retard, l'ensemble de votre process devient ingérable. Je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez un transparent, vous n'avez pas le master file. Il va falloir, on vous demande une petite modification, il va falloir tout refaire. C'est-à-dire, si vous avez le master file, ça prendrait 5 minutes, sinon, ça va vous prendre 3 heures. Si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous allez voir votre chef, et vous dites, je voudrais que tu me modifies ça. Moi, je vais dire, écoutez, chef, je n'ai pas le master file, je suis désolé, mais ça, on va le corriger à la main, etc. Et ici, ça ne va pas traverser, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça. C'est-à-dire qu'il va dire, ok, il va prendre, et s'il doit rester toute la nuit pour modifier le trait, ça ne pose aucun problème. Au Japon, la perte d'efficacité entre ce que j'ai à faire est clair et ce que j'ai à faire n'est pas clair, la perte d'efficacité entre les deux est absolument énorme. Il n'y a pas d'économie de moyens, c'est-à-dire que quand on a besoin d'un résultat, moi, je me pose la question de l'énergie que je vais dépenser pour atteindre ce résultat. Et si de baisser l'objectif de résultat a un impact fort sur la quantité d'énergie que je dois y mettre, je commence à négocier. Ou je dis non. Mais ici, je dirais, l'économie de moyens, ça n'a pas de sens. Les gens ne se posent jamais la question. ものづくりですから、ある目標に対して達成しようと思うわけですよね。で、達成した時の喜びがあれば、次の高い目標もまた達成する次の励みになるっていうことだと思いますし、それからあともう一つはその目標自体が、なんでしょうね、達成が、努力すれば達成できる目標を作るってことも大事だと思うんですよね。飛び離れた目標じゃないと。Donc pour moi, la culture de commitment, ça va, c'est une culture de management, c'est une culture de l'entreprise et c'est une culture du management. Il faut que toutes les voix exprimant le risque de ne pas atteindre la performance se soient exprimées avant que la décision soit prise et qu'on soit raisonnablement certain qu'on va y arriver. Et en particulier, que les opérationnels qui vont avoir à faire se soient appropriés cette décision. Mais il est extrêmement important que cette culture du commitment reste en place. Il ne faut simplement pas que le management en abuse. C'est ce qui est le plus important dans le monde. Il y a des problèmes de réglages, des méthodes. Et en ce qui concerne les droits d'intégration, on a tout ce que nous avons packagé. だいたい課長、まあ、日本で言いますと課長、マネージャーからシニアマネージャーぐらいです。で、今グローバルに合計300名のパイロットを作りました。で、まだありますけれども、で、そこまでだけですと、従来の日産にも似たようなものは、例えば TQM がそれですけれど、似たようなことをやってた時期はあったのですが、つまり解決手法を身につけた、まあ、リーダーがいて問題解決するというところまである程度似たようなシステムも昔もあったんですけど決定的に違うのはですねそのリーダーが集めるチームメンバーが
クロスファンクショナルなチームっていうことです。Bien, nous avons, je dirais, nous avons des relations avec le syndicat de Nissan qui sont, je le pense, très saines. Ils jouent leur rôle de syndicat, nous le respectons, et nous, nous avons nos responsabilités. Ils ont été très coopératifs, en ce sens qu'ils étaient conscients que si Nissan Waveplan ne marchait pas, l'entreprise allait vraiment au casse-pipe. Et ça, je pense que ça a été très clairement sur la table dès le début. Et ça a donc aidé énormément les syndicats à accompagner le mouvement plutôt qu'à chercher à le bloquer partout. Il y a des sondages qui sont faits, ils sont très intéressants, parlant de la qualité, des conditions de travail. On les regarde avec beaucoup d'attention et souvent c'est un outil pour le management pour dire tiens, on a l'impression d'avoir des dérives. Donc c'est une source aussi d'informations très importante pour rectifier le tir. Dans des domaines qui sont souvent pas tellement visibles. Hein. Dans les réunions au sommet, ils arrivent toujours avec un thème précis en disant sur ce point-là, il faut vraiment que vous fassiez des améliorations importantes. Et là, en ce moment, ils arrivent et ils répètent la charge de travail n'est pas acceptable. On est à un niveau qui est dangereux et voilà la liste des problèmes qui se posent et ils nous font une description multi-usine, multi-site. L'ingénierie évidemment est au cœur de ce problème avec des descriptions qui sont à la fois statistiques, des histoires personnelles, etc. qui sont, je dirais, relativement émouvantes et convaincantes.